Galaxiens, chers Galaxiennes, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode sur Need for Speed Underground 2. J'espère que vous allez bien dans ce Let's Play Night Funny. On est parti tout simplement pour les prochaines épreuves, toujours avec ma jolie voiture. Je vous le dis, toujours sur Twitch, bien sûr, en live. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Rien qu'en faisant cette annonce, je risque un strike ou pas, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est officiel, bref, on s'en fout. Allons-y, c'est parti. Prochaine course, juste ici de Halden, un circuit 4,897 km, donc 4,897 km, vous avez compris, voilà. De 350€ le prix du coup de la course si l'on gagne. Amène-toi mec, il y a toujours de la place pour les losers, ça me dérange pas d'humilier les nazes. Sors ton fric et on te montre le plan du parcours. Ça te branche? Ouais, live sans interaction. Exactement, comme hier mon cher Tanguy, live sans interaction comme ce qu'on m'a dit. Voilà, exactement. Non, non, du tout. J'ai dit que je ferai un live sans interaction, c'est vrai, mais non, c'est pas aujourd'hui. Un autre jour. Non, non, mais un jour où je ferai un live sans interaction, ce sera justement sans interaction. Ça veut dire que je ne vous dirai même pas bonjour au début, je ferai style que je vous connais pas, que je vous vois pas, voilà. En gros, c'est ça. T'avais oublié la Honda Civic tunée. Bah non, elle est bien tunée, la Honda Civic, elle est jolie. Voilà. Ah, tu l'avais oublié, mais c'est toi qui l'avais oublié, d'accord. Je croyais que tu me disais, t'as oublié la Honda Civic. Bah non. Voilà, vu que je roule avec. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est la PS1 ou quoi? Non, non, c'est la... C'est la PS2. C'est la PS2, c'est le PC du coup. Nous sommes sur PC, mais c'est un jeu qui à l'époque est sorti, bien sûr, à l'époque PS2, GameCube, la première Xbox. Donc non, c'est pas la PS1, on va dire que c'est de l'époque PS2. Voilà, pour tout te dire. Mais je trouve plutôt très clean, même au jour d'aujourd'hui, ça peut aller, il est pas dégueulasse, je trouve. Je sais, vous avez l'habitude des nouveaux Need for Speed, ça vous fait bizarre. Sauf que moi, je trouve vraiment qu'il a un charme. Je trouve qu'il a un charme, je trouve qu'il a un style, il a une petite patte. Ça me plaît bien. Et donc on reprend les courses tranquillous. Voilà, j'ai bien mangé ce soir, trop mangé même. Je suis plein, je me sens plein. Et j'ai horreur de me sentir plein, demain je mangerai moins. Voilà. Salut Prépré, comment ça va? Ah non. Et donc non, pas de live sans interaction pour le moment. J'en ferai un jour peut-être. Si jamais vous m'énervez vraiment trop. Mais bon, je pense que c'est pas encore près d'arriver, parce qu'un live sans interaction n'est pas un live. Voilà, salut BG. Salut Rocky, salut à tous, bienvenue sur le live. Excusez-moi si je conduis mal, c'est parce que je regarde vos commentaires, justement parce que je veux interagir. Mon frère joue à ce jeu et l'adorait. Bah oui, il était très très bien. Moi aussi je jouais quand j'étais jeune. Tu l'as téléchargé sur quel site, la map Hungary? ETS2.lt. Comme d'habitude en fait, je prends tout sur ce site là. Voilà. Tout simplement pour répondre à ta question. Je croyais que tu faisais un régime. Oui, je fais un régime, sauf que ce soir j'ai pas fait le régime. Ce soir exceptionnellement j'ai pas fait le régime, je me suis fait plaisir, voilà. Allez. Oui, non, mais enfin, le régime, il y a régime et régime si tu veux. Hein. Il y a le régime des gros tarés qui mangent une feuille de salade et une tomate. Hein, si tu veux. Et t'as le régime des gens qui font des régimes normaux, entre guillemets, des régimes où tu manges quand même. Hein, tu vois, parce que faut savoir une chose, c'est que le plus mauvais régime, c'est les régimes où tu manges pas. Tu vois. Ça, c'est surtout les régimes qu'il ne faut pas faire, parce qu'après, tu réaccumules toutes les graisses que t'as perdues justement pendant ton régime. Et c'est surtout ce qu'il faut éviter. Voilà, donc faites gaffe par rapport à ça si vous faites un régime. Un régime ne veut pas dire salade tomate pendant toute l'année, hein. Pas du tout. Salut jeune homme, salut Darius. Comment ça va? Alors, attention, ce soir nous allons parler régime. Tout va bien. Comment est-ce dans la casa? Comment est-ce? Bah, va bene, va bene. En fait, je pense qu'on fait un mélange de l'espagnol et de l'italien. Tout va bien. Je ne suis pas du tout calé en espagnol, autant vous le dire. Mais en italien, j'ai fait 2 ans d'italien qui m'ont permis d'apprendre buongiorno, hasta la vista. Ah non, c'est pas ça. Bah voilà, bref, pas grand chose. T'es premier dans la course? Oui, je suis premier. Exactement. Je suis Prums. Ouais, après tu reprends tout. Oui, après tu reprends tout. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Si tu bouffes rien, si vraiment tu te prives de tout. Dans un régime, c'est absolument pas bon. Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait plein de fois. Vous savez, je suis assez mastoc comme monsieur. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai du surpoids et forcément, je dois faire attention, mais pas des gros régimes de la mort, parce qu'après, je reprends tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Faut faire attention, certes, mais il faut pas se priver de tout. Tu te prives de tout, c'est encore pire après, parce que tu reprends et t'en reprends plus. C'est quoi, tu veux refaire du Sims 4 hein. Bah, je pense pas que je vais en faire. Écoute, The Netto, je pense pas. What le mur? Je pense pas que je vais en refaire. C'est pas prévu en tout cas. C'était pas prévu au programme, tout simplement. Voilà. Je me suis complètement détaché des Sims. J'ai plus du tout cette envie de jouer aux Sims. Je sais que j'avais fait un carton avec ma série, mais écoutez, c'est pas parce que j'ai fait un carton sur la série que je dois absolument continuer. Hein. Je suis pas là uniquement pour faire des vues, les gars. T'as FIFA Galax? J'ai FIFA sur PC, oui. J'attends beaucoup FIFA 16. Vous doutez pourquoi, sûrement.
Les Fifi. Pour les célébrations, j'espère qu'il y aura des célébrations spéciales. On verra bien. Salut, Peace Track. Welcome. Merci Wizbot d'être là. Merci Wizbot au fait qu'il me host ma chaîne. Je lui ai rien demandé en plus, j'ai pas encore contacté Deré. J'ai pas le temps, c'est un truc de fou, donc faut vraiment que je prenne le temps. Là j'ai une soif de ouf par contre. C'est quand tu joues au nouveau Batman. Je vais pas y jouer, mon cher Rocky. Je vais pas y jouer parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps et maintenant j'arrête un petit peu de me prendre tous les jeux. Parce que justement, j'en ai marre en fait d'être... comment te dire? J'en ai marre au bout d'un moment d'avoir 50 000 séries sur mes chaînes et de plus réussir à gérer. Voilà, et vu qu'en ce moment, j'ai beaucoup de trucs à gérer, donc j'ai Lego Jurassic World, une par jour, à gérer, et j'ai absolument envie de garder ce rythme-là. Après, j'ai les séries également sur... j'ai cette série-là sur Need for Speed, et j'ai également les séries, tout plein de séries qu'on a sur la chaîne Simulation. On a plus de 5-6 séries sur la chaîne Simulation. C'est un truc de malade et donc du coup voilà pourquoi il faut que j'arrête de commencer de nouvelles séries jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc pour l'instant pas de nouvelles séries. Je pense que peut-être la prochaine ce sera F1 2015 qui arrive en juillet. Mais sinon je pense qu'il y en aura, alors à part le Tour de France, voilà, parce qu'il y a aussi le Tour de France qui arrive le 4 juillet. Donc ouais, les prochaines séries c'est le Tour de France et F1 2015, voilà. Il y aura que ça pour l'instant. Enfin que ça, ce sera déjà bien, hein, évidemment. Vous allez en trouver, vous, des youtubeurs qui commencent 50 000 séries par semaine. Allez voir ça, moi je n'en connais pas énormément. Il y a plus de personnes, en fait, si vous voulez, qui font un ou deux jeux sur leur chaîne plutôt que des personnes qui font plein de jeux. Et c'est pour ça que j'ai différencié ma chaîne multigaming de ma chaîne simulation. Voilà. Ils font des échanges de jeux PC. Alors, Lyoko, Gamoniac ne sont pas du tout dans les jeux PC. Ils font uniquement des jeux consoles. Voilà, donc pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'ils s'occupent des jeux PC. Voilà, pas de Monopoly Galax. Non. Pas ce soir en tout cas. Un autre jour. Tu fais quoi pendant ces vacances? Eh ben, je vais jouer aux jeux vidéo et je vais vous faire des vidéos et des lives. Voilà, tranquillement, posé. Pépère. Et demain, il y a Pico qui vient à la maison. Donc, on va... je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être se faire une ou deux vidéos. Alors évidemment on fera pas que des jeux vidéo et des vidéos, hein. On va aussi en profiter. Voilà, la piscine n'est pas encore mise, bon. Mais non, de toute façon je sais pas s'il fera assez chaud demain, je sais pas combien il fait. Mais bon, on n'a pas la piscine, enfin bon bref, de toute façon on n'a pas besoin. Mais voilà, je pense que soit on se fera un live, soit on se fera une ou deux petites vidéos, tranquille dans notre coin. On verra bien, en tout cas demain on va bien s'éclater. Le réveil à 6h ce matin. Bon bah ça va, moi je me lève souvent à 6h, parce que j'aime bien me lever avant et... et voilà, et pouvoir tourner tranquillement de bon matin. Pourquoi tu n'as plus la 206? Alors, je te propose de regarder les épisodes précédents pour avoir la réponse. Tu auras la réponse, mais je peux te dire tout de suite, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, c'est tout. Réputation, nickel. On a fini la première course today. Ça, c'est bien. Galache, nouveau taxi. What? Tu feras NFS Most Wanted. Alors déjà, je finis celui-là qui est très très long, donc comme je vous ai dit juste avant, chaque chose en son temps, je ne précipite plus les choses, je ne suis plus celui qui va sortir forcément tous les jeux direct comme ça, tac tac tac, j'ai arrêté de faire ça parce que je ne m'en sors pas et je me dissipe, voilà, je me dissipe et je n'aime plus me dissiper. Maintenant c'est le nouveau Galax qui fait attention, voilà, qui fait attention à ne pas se dissiper et qui va essayer de vraiment faire du contenu avec plein de séries, mais des séries en fait, enfin moins de séries, du moins moins de séries, là il y en a trop déjà en cours, donc je vais déjà terminer celles qui sont sur la chaîne Simulation, puis après on repartira sur un bon rythme, voilà. Alors, une nouvelle course, toujours un circuit. Hey, vous avez vu le bouffon? Je te résume le truc, tu donnes ton fric au starter et t'essayes de pas rester en plein milieu de la route, je voudrais pas que tu me gâches la course, ok? Ok, j'accepte. Le temps de charger sur MotoGP est mort de rire. Le temps de chargement. Ouais, mais le temps de chargement sur MotoGP il était infini quoi en fait. Donc j'ai dû relancer le jeu, j'étais obligé. Hein. C'est n'importe quoi. C'est bien de se réguler, Galax. Et bah, Aurel, le truc c'est que sur YouTube, on a toujours tendance. Tu sais, moi j'aime tous les jeux. Voilà, vous le savez bien, j'aime tous les jeux. J'ai une chaîne Simu, j'ai une chaîne Gaming. Et donc t'as toujours tendance à vouloir tout faire, tout présenter. Tous les jeux. Là, il y a le nouveau Batman qui est sorti. J'avais trop envie de le présenter. Je l'ai pas fait, alors j'avais trop envie, oui et non. Parce que je sais que c'est un gros jeu, c'est un super jeu. Mais par contre j'ai pas envie de le présenter tout simplement. Parce que déjà il y a trop de séries en cours comme je vous ai dit. Et alors j'aurais très bien pu faire une vidéo découverte. Mais je l'ai pas pris parce que bon, je me suis dit je vais le prendre plus tard quand il sera moins cher. Et avant je vais me tartiner si vous voulez les autres. Je vais me tartiner le Asylum, je vais me tartiner le Arkham City. Parce que ce sont des jeux que je n'ai pas fait. Voilà, donc avant de faire ce troisième opus, voilà, qui est le dernier de la trilogie, du coup, je me ferai... de la trilogie, il y a Origins aussi, il me semble. Donc voilà, je me ferai également Asylum, je me ferai Arkham City, et après je me ferai Origins. Il me semble que c'est Origins, hein. Voilà, donc je me ferai cela avant, justement,
de faire celui-ci. Parce que je trouve que c'est mieux de faire les jeux dans l'ordre, en fait, de la série. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. T'es sur PC, Galax? Alors là, BG, je suis sur PC pour le stream. Oui, je suis sur NFS Underground 2 version PC. What? Nom de Dieu! Bande d'enfoirés! Je repars, ils m'ont retourné! En plus, on est déjà au deuxième tour, on est mal! On est mal! On est très mal! Ils vont me carotte! Je suis sûr que les deux devant, ils vont me carotte, je suis dégoûté! Heureusement que la course n'est pas longue! On va peut-être tenter de les rattraper ici, ce serait bien! Attention, ça va être serré jusqu'au bout de la course, mesdames et messieurs! On se concentre, vas-y, bouge ta caisse! Allez, non, tu me refais pas tomber, tu me refais pas tourner! Vas-y, on prend l'inspi, voilà! Allez, encore! On va passer par la droite! C'est attention! On touche le mur, c'est pas grave, tant pis, on reprend! Oulala, attention, gestion, nitro! Joli! Attention, c'est vachement serré là! On est juste derrière, ça va être Tandak jusqu'à la fin! Récupération! Ils m'ont fait carrément partir en tête à queue! Tête à queue! Oh non! Abuse pas, petit, abuse pas! Dépêche-toi, Galaxou, c'est bon! Heureusement, ils ont un petit peu de retard, ils ont un virage de retard. Allez, on va y arriver, dépêche-toi. C'est bon, ils sont à l'arrière. Il pleut! Oui, il pleut. Et j'ai gagné! Eh oui! Le retour de Galaxou! Il est là! Il est fort, il est présent, il est réveillé. Même s'il est plein, il a trop mangé, tout va bien. Voilà. Parfait. Merci pour le follow. Merde, j'ai mal placé les follow. Mais quel con, putain! Galaxou, qu'est-ce que tu fais? Alors attendez, bougez pas, 2 secondes, hein. Je replace les follow parce que j'ai horreur quand ils sont très mal placés. Voilà, je vais le mettre juste ici pour vous faire plaisir et faire plaisir à tout le monde. Voilà, quoique non, je vais le mettre là-haut, vous savez quoi? Non, je vais le mettre là. Le mec qui sait pas ce qu'il veut, ou en bas plutôt. Allez, on le met en bas parce que c'est bien en bas. Ou alors au-dessus, mais je sais pas, bref, c'est pas grave. Allez, je vais le laisser ici. De toute façon, il y aura pas beaucoup de follow ce soir, c'est pas grave. On remet le jeu, on revient au jeu. Voilà, parfait. Allez, je dis du caca, excusez-moi. Alors, c'est quoi comme voiture? C'est une Honda Civic, tunée. Voilà. Salut Galax, c'est mon premier live en ta compagnie. Bienvenue Somtex, que je ne rate aucune de tes vidéos qui sont toujours un vrai régal. Merci Somtex, bienvenue du coup sur ce petit live sur NFSU Underground 2. Voilà. On dirait un crooner avec cette voix. Un crooner. Hey. Hey, but it's home, it's humble and mellow way. Je fais un live sur NFS Underground 2, je me sens bien, j'ai la patate nette. Et on part sur une nouvelle course de sprint. Allons-y. Et toi là, on va se faire un sprint. Tu peux en mettre si t'allonges le fric. Comme d'hab, t'auras la carte par SMS dès qu'on verra la couleur de ton blé. D'accord, j'accepte. Bien sûr. Moi j'adore, il est déjanté. Je suis désolé, mais j'ai trop mangé. Et quand je mange trop, je suis encore plus fou que d'habitude. Voilà. Allez, on y va. Démarrage. On se dépêche. Voilà. Maintenant j'ai envie d'un sandwich. Ah non mais surtout faites gaffe hein. N'en mangez pas trop. Parce que moi je suis plein et je n'en peux plus. Je suis prêt à exploser. Je vous jure, par contre je sais pas si vous avez déjà été plein. Bon je pense que oui hein. Est-ce que vous avez déjà trop mangé? On se sent vraiment lourd. Et on a qu'envie d'une seule chose, c'est d'aller au lit. Je vous promets. Moi là j'ai envie d'aller au pieu. J'y vais pas parce que je vous ai dit que je faisais un live et que je... Oh putain, comme je suis passé. Oh le PGM. Parce que je vous ai dit que je faisais un live et je vous respecte quand même, tu vois. Je vais pas annuler comme ça parce que j'ai mal au ventre. Mais voilà, non, je vous respecte et je vous ai dit que je faisais un live, donc je fais un live. Voilà, mais c'est vrai que j'aurais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et depuis tout à l'heure, j'ai des remontées gastriques, comme François Hollande. Mais tout va bien, c'est pas grave. Je subis pour vous. Voilà. Oh putain. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah mais Somtex, il est énorme ce jeu-là avec le Burger King, avec tout ce qu'il faut quoi. Maintenant, c'est magnifique. Est-ce que, alors je pose une question comme ça, est-ce que vous êtes déjà allé à Subway? Parce que je vois les pubs. Donc, moi je suis jamais allé, je ne connais pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Subway, c'est bon? Voilà, même si je n'irai pas vu que j'évite tout ce qui est fast-food, hein, maintenant vu que je suis au régime comme je vous ai dit. Et je vais arrêter d'ailleurs de manger des sandwichs parce que ça me va pas. Je le vois bien. Mais, waouh. Prends du Gaviscon. Ah! Pardon. Du Gaviscon. Joli quoi. Plus Sarko dans. Plus Sarko. Ouais, bah c'est bon. T'as qu'à me traiter de Sarko, je dirais rien. As-tu la Volvic à côté de toi? Eh bien non. Eh bien non. Figure-toi, mon cher Fleury, que je n'ai pas la Volvic. Figure-toi que j'ai rien du tout et que ça me manque. Que ça me manque parce que j'ai une soif de fou. Donc j'irai à la pause, hein. J'irai à la pause évidemment. Alors je suis toujours premier, tout va bien. J'aimerais bien qu'on se trouve, parce que là c'est une course sprint, j'aimerais bien qu'on se trouve un petit peu de drift ou de drag, histoire de varier un petit peu les plaisirs quoi.
Eh bien, mais Made in France est beaucoup mieux en termes de garniture. D'accord, je ne connais pas non plus, tu vois. Je ne connais pas non plus. Salut Jeannot, bah écoute, ça va très très bien. Des Subway. Salut tout le monde, donc salut Jeannot, ouais. Bienvenue sur le stream. En Suisse, il n'y a que McDo. Oh, vous êtes triste. Oh, la tristitude. Attends, on reste sur le même circuit qu'avant, là, avec le tunnel, quoi. The tunnel. On se frotte contre tous les murs. Incroyable. On y est. Turbo. Voilà. C'est bon. Allez, easy. Galaxy est dans la place. On est bien, là. On a Civic 2.27. Parfait. Ah, ça rapporte bien. Super. Alors, ça rapporte pas autant, évidemment, que les courses de sponsors, mais ça rapporte un minimum, et ça, c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Objet moteur. Alors, je pense qu'on va aller faire un tour, maintenant qu'on a fait quelques courses. On va aller faire un tour, mesdames et messieurs. On a beaucoup de courses à faire. Hein. On va d'abord aller faire un tour dans l'atelier performance. On est où? On est là. Oui, je pense qu'on peut y aller. On va aller faire un tour à l'atelier performance. Et ensuite, on ira aller faire un tour à l'atelier également de design. En tout cas, on va faire plusieurs tours. Vous allez voir, ça va être vraiment énorme. Ça va, on s'y habitue. Et KFC, oui, c'est le top. Burger King, alors je ne suis jamais allé. Alors honnêtement, hein, au KFC, j'y suis allé une seule fois. Burger King, j'y suis jamais allé. Subway, j'y suis jamais allé. McDo, par contre, j'y suis allé plein de fois. Voilà, parce que c'est un peu plus connu, mais je vous avouerai que les autres. Je suis pas trop fast-food. Ça fait très longtemps que. Ça fait depuis longtemps que je vais plus beaucoup dans les fast-food. J'y vais vraiment occasionnellement. Voilà, mais très très rarement. Bah, pour le régime, justement. Voilà, le mieux, c'est d'aller chez Flunch. Ah bah, on va dire, il me semble, alors chez Flunch, j'y suis jamais allé, je ne suis jamais allé chez Flunch, je sais, ça peut paraître bizarre encore une fois, mais j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas que des trucs, que des sandwichs, que des machins, apparemment, on pouvait prendre vraiment des repas un peu complets, apparemment, je dis pas de conneries, ou alors j'ai une grosse connerie, hein, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu, donc c'est pas moi qui dis des conneries, c'est ceux qui me l'ont dit qui disent des grosses conneries, voilà, super, oh oui, Flunch, yeah, alors, veux-tu vraiment entrer? Oui, je veux entrer, Burger King, c'est juste énorme. Ça y est, parlons gastronomie fast-food. Alors, apparemment, il me semble que j'ai eu un nouveau moteur, non? Yes! Le pack pro, mesdames et messieurs. Le pack pro, sa meilleure accélération et la vitesse maximale. Donc, ça coûte 1600. On le prend ou on le prend pas? Allez, on le prend. Le pack pro. Je vais choisir HKS. Tout ce que je prends en HKS, je prends en HKS. Voilà, celui-là, il est installé. Ensuite, la puce. On va prendre la puce aussi, ça améliore considérablement quand même la voiture. On y va, comme d'habitude, HKS. Ouah, ça va être de la bombe, les gars. Ça va être de la bombe. Là, par contre, on l'a pas débloqué, ça. On n'a pas débloqué encore tout le reste. Pack suspension, pack pro, on l'a pas. On va le débloquer au fur et à mesure, évidemment. Je regarde le pack street, on l'a installé, c'est bon. Nickel. Salut TR3, welcome. Welcome, welcome, welcome. J'ai du swag. Salut Mathias. Re-Mathias du coup, mais. Et mon site avance pas pour l'instant, il reprend normalement demain. Veux-tu quitter et revenir en mode exploration? Oui, voilà. Sans regarder le profil. Oui. Top, pam, papin. Cela va envoyer du lourd avec le pack pro. Oh que oui. Ça c'est clair. Donc déjà, on a amélioré ça. Ensuite, on va aller faire un petit tour pour modéliser, améliorer et moderniser également la voiture. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est là, nous. On a l'habitacle. C'est quoi ces trucs? Ah c'est ça. Merci Somtex pour ta donation de 10 euros. C'est ça en fait le petit tiou qu'il y a. Merci beaucoup Somtex pour ton don de 10 euros. Ça me fait super plaisir, tu es très généreux. Merci beaucoup, je pourrais me payer comme ça un bon petit flunch. Allez bref. Ça fait qu'on parle de restauration. Merci beaucoup, vraiment ça fait plaisir. Voilà. Alors, on va startiner les amis. Je parle que de bouffe ce soir, on va startiner et tout. Atelier habitacle, c'est parti, j'y vais. On va voir ce qu'on peut choper. Après, on ira aussi vers l'atelier design. Tranquillous. Qu'est-ce qu'ils me disent? Néo, tu es l'élu. C'est pas ça, d'accord. Habitacle est juste à côté, qui est pas très loin. Au final, la carte paraît grande, mais la ville est pas si grande que ça en fait. Tant mieux, j'ai envie de dire. La musique de donation fait peur. Ah ouais, non mais Jeannot, normalement, le tiou, c'est le truc de Metal Gear Solid, si tu connais pas. Donc je me demande si c'est ça, si c'est quand quelqu'un fait un don, qu'on entend justement ce tiou. Je sais pas du tout, ça me surprend, honnêtement ça me surprend beaucoup. Ah c'est là, je suis con, c'est celui que j'avais découvert du coup, Atelier Habitacle. On va voir si on peut améliorer quelque chose. Hop, Flunch et ses pubs, on peut prendre légumes à volonté. De bon, les services auprès de tes galaxiens, reste comme tu es, tout est parfait. Merci Somtex, ça fait plaisir. Et merci à toi encore. Alors, jauge personnalisée, ça on l'avait changé. Néon,
C'était bon, vitre teintée. Ah d'accord, mais c'est que des trucs comme ça. Ouais, ça nous intéresse pas vraiment ça. Non. Alors au pire, on va rester comme ça, je pense. On améliorera le look de la voiture plus tard. Là, pour l'instant, ce qui importe, c'est qu'on ait amélioré les performances pour être performant justement dans les courses. Et on va directement à la prochaine course que je vois ici. On en a une qui est pas loin après. Donc voilà, je fais les courses les plus proches. C'est du sprint. Ça boum le crack. Et d'où tu m'appelles le crack? On va parler de toi et en bien. Ça te dit de mettre quelques billets sur la table, histoire de vérifier tout ça. Si tu veux que je te respecte, faudra me prouver que t'en vaut la peine. D'accord, j'accepte, évidemment, parce que je suis gentil. Je suis le fils de Darius. Sérieux? Darius, peux-tu confirmer que c'est ton fils? Le problème, c'est que Darius, c'est le papa de tout le monde. Tu vois, c'est même mon père à moi, donc il y a un problème. Non, je rigole, évidemment. Tu connais un bon PC gamer pas cher? What? Oui, le mien. Non, je sais pas, en fait. Non, je suis pas spécialisé en plus dans les PC. Pour tout vous avouer, c'est mon père qui me montre pas mal mes pièces. Moi, j'y connais pas trop grand-chose. Donc c'est vrai que niveau PC, je peux pas vraiment vous aider. Voilà, je vous dis franchement, je suis pas expert du tout. Il m'a ignoré, le con, même pas, je vais chez lui demain. Ah, salut mon Pico. Bah attends, je viens juste de voir ton message. J'avais pas vu que tu m'avais laissé quelque chose. Ah, tu permets, oui. Bienvenue Pico, en tout cas. Welcome. La blague du soir. Deux asticots se retrouvent dans un... Ah bah ça y est, ils vont commencer avec les blagues. Mon dieu, c'est terrible. Ça va recommencer. Lol. Alors, tu es bien le fils de Darius? Oui, ah c'est... Ah non. C'est bien ton fils alors. C'est pas un foutage de gueule. D'accord, et bien bienvenue, Darius Junior, bienvenue sur le stream. Ça me fait plaisir, voilà, de rencontrer enfin ton vrai fils. Et ça prouve que ce n'est pas moi. Ça fait plaisir. Le mec, désillusion. C'est pas mon père. Non mais je suis content en fait. Parce que je me disais, je comprenais pas, j'avais deux papas. Je me disais, quoi? Comment ça? Tu as fécondé avec deux hommes? J'ai pas compris. Pardon. Salut, Cédrive. Oulala. Je fais attention. Alors, ce qui est vachement dur, c'est de lire les commentaires en conduisant. C'est pour ça que je fais beaucoup de conneries, en fait. N'est-ce pas? Donc, Pico, demain, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tu viens à quelle heure demain, tiens? Tu viens à quelle heure demain, mon petit Pico? T'as le message dessus, le message de dessous et le mien, OSEF. Ah ouais? Ah, je te jure, je l'ai pas vu, en plus. Je te promets, je l'ai pas vu. J'ai pas vu ton message qui était entre les deux. Non! On va recommencer. Je l'ai pas vu du tout, je te jure. On recommence la course du coup parce que j'étais mort. Voilà. Salut Alex. Putain, je me suis pris un de ces faux départs encore là. Moi je suis le fils de PewDiePie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu as fécondé avec deux hommes Galaxy 2015. J'avoue. Non, c'est un peu abusé là. C'est un peu abusé. Oh putain, n'importe quoi. Allez, pardon, Skyline. Ciao. Salut Anto, ça va bien et toi? Je sais pas, tu m'as pas dit. Oh mais putain, pourquoi moi tout le temps? Pourquoi ça va toujours être moi qui donne l'heure? Oh, 8h du matin, c'est bon? Terrible. Salut Rafalou. Moi j'ai fécondé Priox. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors Mathias, tu nous reviens en forme ou tu nous reviens une fois comme ça puis tu vas repartir? Je suis le fils de François Hollande. Eh ben bienvenue Lyoko. François Junior, je suis content de te recevoir. Oh mon dieu. Ce sera drôle, hein. Ce sera drôle. Hein. Triste, mais drôle. Voilà. Salut 85. Enfin, du moins, je sais pas si c'est pas déjà parlé, ça me dit quelque chose aujourd'hui. Non, oh, c'était hier soir. Autant pour moi, je te vois tous les jours presque. Terrible. Alors, oh là, mais quel pilotage, franchement. Quel pilotage avec cette Honda Civic qui a vraiment, vraiment des capacités énormes sous le capot grâce à l'amélioration très récente de son moteur. Ça fait zizir. Tout va bien, surtout ne pas rester bloqué au milieu. Il n'y a pas d'aspi. Alors, il n'y a pas d'aspi aussi. Il peut y avoir de l'aspi quand tu es carrément derrière eux, mais pas quand tu es loin en fait. C'est ça, faut être vraiment derrière. Hop, alors attention, je prends un petit raccourci ici. What? Non, d'un chien, dépêche-toi, on y est presque. Allez, un petit peu de turbo. Vraiment, on devrait y arriver. C'est bon. Ouais, welcome, bienvenue. C'est chez toi, je vais pas dire une heure comme ça, ça fait incruste, mais si tu veux, 14h comme d'hab. Eh ben, écoute, Pico, on pourra regarder les feux de l'amour ensemble. À 14h, y'a pas de soucis. Voilà. Y'a pas de soucis. Énorme. Pico, il va arriver, il va me voir sur le canapé, je vais dire, alors attends, tu m'attends jusqu'à 15h10, je finis les feux de l'amour, et voilà. Terrible. Je suis un habitué du noobisme. Oh, ça veut dire quoi, ça? Alors, voyons voir. Voyons voir. On a un truc, donc ça c'est l'atelier habitacle. On a une course normalement là-bas.
Je vais la trouver et on va pouvoir la faire. C'est une course de quoi ça? Tu drift, tiens, c'est bon! La nouvelle de Binou, bah en même temps, il est pas mort, Binou, hein. Ça fait. Il stream tous les jours, donc oui, j'ai des nouvelles de Binou, va très bien, il est encore vivant, hélas, mais c'est comme ça. T'as vraiment l'intention de faire un drift avec nous? T'as intérêt à avoir de sacrés bons arguments si tu veux tenter ta chance. Je crois pas que t'es ce qu'il faut, tu devrais peut-être faire l'impasse sur ce coup. Pas du tout, j'accepte évidemment. Je suis comme ça, moi, j'accepte tout. Parce que des fois, aujourd'hui, c'est demain. Salut Galax, comment vas-tu en ce mercredi soir? Eh bien écoute, ça va très très bien en ce mercredi tonight. Allez, on y va, drift. Par contre, je me concentre, les amis, j'ai besoin de concentration pour le drift. On le sait tous, c'est l'épreuve sur laquelle je pêche le plus. Donc s'il vous plaît, laissez-moi me concentrer. Ça commence plutôt pas trop mal. Bon, ouais, j'ai parlé un peu tôt, là, j'ai parlé un peu tôt. C'est vrai, j'avoue. Ah, attention, bon drift. Je suis pour l'instant premier. De loin, on est tranquille. Attention, non, touche pas. Voilà, c'est bien. J'ai réussi quand même à ne pas toucher, je suis plutôt content parce que là je commençais à me faire flipper. Allez, c'est bon, un petit bon drift. Là, on va lancer un drift. Ouais, joli. Vas-y, on redresse. Très bon drift. Et l'autre qui essaye de. Ouais, dégage. Vas-y. Voilà, ce qui serait bien, c'est d'arriver à faire plusieurs drifts d'affilée. Ce serait plutôt cool. Regardez la style comme ça. Voilà, tu fais comme ça, tu continues. Tac, après, redrift. On est à 34 000. On a un petit peu d'avance sur le second. Ça n'a pas été évident. Je vous le dis, ça va pas être évident. Très bon drift. C'est bien, Galaxou. On reste premier, pas évident. On reste premier parce que c'est vrai que l'autre, il a de la chance. Il est en avance, il est devant tout le monde. Tout va bien. Pépère, in the night. Et je suis dégoûté, j'avais fait un super beau drift. Je pense que je vais perdre du coup. Voilà, je vais perdre à cause de ce putain de drift loupé. Je vous assure que j'ai les nerfs à vif. L'autre, il est à 61 000. Il est en train de tout déchirer. Le premier, il déchire tout. C'est un Henri, il s'appelle Henri. Il déchire absolument tout. Il a fait un super beau drift. Voilà, là on fait un très bon drift, allez, un très bon drift. C'est pas mal, on remonte un petit peu, mais on n'y arrivera pas. On va être, évidemment, les amis, deuxième de la course de cette séquence de drift. On va tenter un truc de ouf. On est obligé, là je suis obligé de... Allez, tente le truc de ouf. Voilà, tant pis, je peux pas faire mieux. Trop lent, je finis deuxième. C'est trop compliqué, voilà, il a pris trop d'avance. J'ai loupé un superbe drift, hélas. Et un drift loupé, eh ben, c'est mort. Voilà, salut Alex, salut tout le monde, bienvenue. Je me concentre dans la séquence de drift, vous en faites pas. Je vais devoir me concentrer, mesdames et messieurs, pour drifter correctement. Je vous le dis, voilà, je m'en fous du temps que je mets, c'est pas grave. Limite, je vais derrière les autres exprès, je ne stresse surtout pas. Voilà, bon drift, c'est pas mal. Bon, là, on est loin, par contre, on est loin. Ah, très bon drift, Galaxou. Je sais que j'étais un petit peu trop lent dans le truc. Je repasse tout de même en première position. Vas-y, là, je fais un tout droit. Et là, on va pouvoir faire... Hop là. Voilà, c'est là que tu peux choper le meilleur drift. Oh là là là, 15 000. Énorme drift, mesdames et messieurs. C'est juste fouks. Oh oui. Qu'est-ce qu'on aime cette partie-là du circuit. Elle est juste énorme. C'est juste épique. Allez, on est à 35 000. On reprend la première position, bien sûr. Ah non. On recommence. Attendez, je vais quand même finir. On est à 35 000. Ouais, on repasse deuxième, du coup. Il va nous arracher la tronche, hein, le premier. C'est un truc de fou. Voilà, ouais, faut faire comme ça. C'est ça qu'on veut voir, mon cher Galaxou, c'est ça qu'on veut voir. Très bon drift. Oh, j'ai enchaîné, ça peut le faire, alors. Ça peut le faire dans les petits comme ça, regardez, on enchaîne les drifts. Super beau drift, c'est pas mal. Franchement, regarde, du coup, par contre, j'ai loupé un gros drift ici. Mais bon, on est premier, on peut le faire, là, on peut le faire, je le sens bien. 55 000, on est bien parti. Franchement, on peut le faire. Pourquoi je veux toujours stresser comme ça? Pourquoi je stresse, franchement? Je n'ai pas à stresser, on est trop fort. Regardez les super drifts, on accumule les drifts, c'est incroyable. 61 000 points, mesdames et messieurs. On est premier, c'est pas fini. Il s'accroche jusqu'au bout. Oh là 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 là, 15 000, 14 000, incroyable. On les a éliminés sur le dernier virage, fou. J'ai gagné. Ah, superbe. Ouh, super. Salut H. Danny, bienvenue. Ah, j'ai gagné, enfin. J'avais envie de gagner la course. Et ça, c'est super cool. Ah si, j'ai une bouteille, j'avais pas vu. Super, j'ai soif. J'avais soif. Voilà. Après une épreuve de drift, on a vraiment besoin de se revigorer. Vive la fille des lois. On y va, c'est parti. On continue, mesdames, messieurs. Prochaine course. Alors, faut que je te parle sur le TS. Eh ben, on verra quand je serai sur le TS. Un jour, peut-être. Alors, tac, on va aller à la prochaine épreuve qui se trouve. Ici même, on y va. J'active. Non, c'était pas Davolvik, c'est la fille des lois. À la tienne. Merci, les gars.
Allez, on y va, c'est parti. Je kiffe MotoGP, il est super mieux que Ride perso. Entre nous les gars, je le trouve 100 fois mieux que Ride. Mais 100 fois mieux que Ride. Alors c'est pas la même chose, ça propose pas le même truc, mais en termes de gameplay, c'est beaucoup plus agréable que Ride. Y a pas photo, vraiment, hein, je vous dis franchement ce que je pense. Hein. Ride, au final, j'ai été très déçu, ça m'a vite lassé. Voilà. Je pensais que j'allais vraiment aimer au début, puis après ça m'a gonflé. Mais un truc de ouf. Hein. Voilà. Allons-y. Alors, c'est du circuit, salut mon pote, ça. Les règles sont simples. Les chauffeurs de Miss Daisy, gardent leur droite. Alors reste pas sur mon passage, c'est pas la promenade du dimanche. Ok, tu reçois la carte du parcours dès que tu t'alignes. T'es partant, accepté bien sûr. Salut Donaldo. Comment tu vas? Et ta journée bien? Bonne journée Dudu. Très très bonne. Allons-y, circuit, on y va. Bon démarrage. Plutôt pas mal, regardez, est-ce qu'on peut les faire... Oh! J'allais dire, est-ce qu'on peut les faire partir? Merci. Oh, oh là, ils se sont chamaillés entre eux, du coup je suis tout seul à l'avant. Et autant vous dire qu'avec les améliorations, avec le nouveau pack pro qu'on a mis pour notre Honda, normalement on devrait pas avoir de soucis pour le reste de la course. Voilà. Wow, mais qu'est-ce que je fais? Même pas je freine. Même pas je freine, je suis un gros taré. Demain tu fais quoi comme vidéo? Et bah tu verras ce qui arrivera sur la chaîne. Vous savez très bien, mesdames et messieurs, que je fais gaffe avec ça, de ne pas vous révéler justement ce que je fais en avance. Je n'aime pas vous révéler les choses. Voilà, et je n'ai pas d'idée en plus. Je sais pas ce que je vais faire demain. Donc voilà, je vous le dis. Hop. Ah non, 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 Galaxou! Qu'est-ce que c'est que ça, mon Galax? Franchement, mais non. Là, tu nous déçois grandement. Là, Galaxou, tu nous déçois, mais d'une profondeur, mais très très profonde. Une profondeur très très profonde. D'accord. Tout va bien. Est-ce qu'on peut sub pour rencontrer Galax? Ça sera le top. Non, par contre, tu peux sub pour discuter avec moi sur le TS. Déjà, c'est déjà bien. Voilà, mais il faut sub pour me soutenir. Voilà, faut pas me sub juste comme ça pour parler avec moi. Non, non, faut me sub pour m'aider, pour me soutenir, pour me faire plaisir. En premier, voilà. Bonne chance à ceux qui ont le brevet. Moi, j'ai fini pour passer en première. Ah ah! Vivement, vivement que vous soyez grand. Le mec. Salut PewDieFox. Bienvenue. J'ai adoré ta vidéo du défi du Tour de France. Ah ouais, c'était cool ça. Bon, c'était cool, après voilà, c'est vraiment du fun en barre. Hein. C'est juste, faut pas chercher de la complexité. C'est très classique. Mais c'est marrant. Voilà, c'est marrant, juste le temps de faire le mode défi en gros. Voilà. Lego Jurassic ce soir ou demain? 85, l'épisode a déjà été posté. 85, va voir sur la chaîne au lieu de demander. Pas mal quoi. Ah là là. De toute façon, Lego Jurassic tous les jours, je vous l'ai dit, hein, pourtant. Alors attention, je suis premier, mais les autres sont pas loin. Je les vois là, ils ont pas pris la même route. Ils sont pas loin, on passe au second tour. J'ai raflé une voiture sans faire gaffe. Truc de ouf, il y a quand même un peu de trafic là. Oh là là là, c'est pas évident de bien conduire. Ça passe quand même. Aïe, 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 aïe. Pareil qu'au premier tour, pareil qu'au premier tour. Et regardez, ils arrivent ici. Ouais, ils arrivent juste derrière. Ils sont là, hein. Ils ont pris une autre route, ils ont coupé et ils m'ont rattrapé. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Allez, Galaxou, tu peux le faire. On passe au milieu ou pas? On passe au milieu ou pas? On passe au milieu ou pas? Mais non, mais j'y arrive plus! Putain! J'arrive plus à passer au milieu. Laisse faire. On ne passe plus au milieu, les gars. On ne passe plus au milieu. C'est trop dangereux pour moi, je n'y arrive plus. Je ne sais pas pourquoi. J'y arrivais au début de ce let's play. Maintenant, c'était plus possible. Voilà. C'est vraiment chiant. Excuse-moi, je sors de la douche. Ah, tu t'es douché depuis 18h? Parce que la vidéo est sortie il y a quand même un petit moment, tu vois ce que je veux dire. Ah là là. Pas mal. Pas mal, j'avoue. Pas mal, pas mal, pas mal. Wizbot. Pourquoi tu appelles Wizbot? Ah, ils ont peut-être pris la gauche. Je pense qu'ils ont pris la gauche. Et c'est vrai que par contre, s'ils ont pris la gauche, ils vont me laminer. Alors attendez, est-ce que je peux changer? Je crois pas, hein. Je vais quand même rester... Ah, j'aurais dû prendre la gauche. C'est ça. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, parce que... Effectivement, il y en a qui ont pris la gauche, ils vont avoir de l'avance. Ah, vous savez quoi? Je vais reprendre ici, du coup. Je vais prendre la gauche. Parce qu'il m'avait dépassé le coup d'avant. Hors de question qu'il regagne. Putain, faut aller où? Oh, putain, le con! C'est quoi ce circuit de ouf? C'est bon. Je pense qu'on est bon. Yes. Ouais. Ah, il est tendax celui-là, parce que t'as plein de... Tu peux prendre plein de routes différentes, c'est chaud! Il y a un truc que j'ai pas compris.
Ah, c'est chaud. Je t'aime. Merci, Donaldo. Bisous. Je t'aime aussi. I love you, Donaldo. Alors, on retourne en mode exploration. C'est parfait. On a fait déjà pas mal de courses. Ça me fait plaisir. Voilà. Je me gratte le dos. C'est normal. J'adore les néons sous la voiture. Merci, Popix. Galaxy, demain, tu as la télé allumée sur les feux de l'amour. Je rentre même pas chez toi et je regarderai pas la fenêtre avant. T'inquiète. Bien sûr. Ah là là. Pas mal. Excellent. Alors, ouais Mathias, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je pensais. Allez, donc mesdames et messieurs, on va partir sur une autre course. On est là, on est où? On est où? Attendez, je suis où? Ça y est, je sais plus où je suis. Je suis là, voilà, quelque part sur la map du jeu. On va partir sur l'épreuve en bleu qu'on a juste ici. GPS s'il vous plaît. À droite, à gauche du moins. À gauche, à gauche, à gauche, alors que normalement c'est à droite. Faut sûrement reprendre autoroute, non? Je sais pas. Non, ou alors il ne faut pas reprendre autoroute. Je sais pas. Je suis la route, hein. De toute façon, je suis la route, je suis ce qu'on m'indique. La petite flèche en bleu, en haut. Tranquillou, ça. Quel pilote talentueux. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Attends, GG. Je suis le PGM de NFS. Et donc, effectivement, fallait bien reprendre la voie express. Voilà, on est parti. Les virages de ouf. Wouhou. J'ai pas été sur YouTube dans la soirée. Et ben voilà. Et ben voilà. Ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni beaucoup que Twitter. Et tu sais très bien qu'avant de poser une question, c'est quand même mieux d'aller voir. Mais bon, c'est comme ça. Fais un drag, s'il te plaît, Galax. Bon, t'inquiète pas, je pense qu'on en aura un bientôt, vu que là, j'en ai pas encore fait aujourd'hui, donc logiquement, il devrait y en avoir. Et pourquoi il me faut repasser là-bas? Mais c'est ouf. Le temps qu'on met pour aller à l'épreuve, c'est énorme. J'ai l'impression qu'ils m'ont fait faire un détour de ouf. Ou alors je m'y connais pas. Ou alors je m'y connais pas du tout. Voilà. Pardon panneau. Je suis le destructeur de panneaux. Terrible. J'adore ta voiture. Merci Rafalou. Moi aussi j'aime bien. Mais je préférais ma petite 206. J'aimais mieux. Pour être franc. Voilà, j'aurais bien aimé la garder. Dommage que j'ai fait une mauvaise manipulation. C'est con ça. Alors, la course est là. Faut passer par derrière, je crois. Ouais, faut passer par là. On est parti. Merci pour les follow, les amis. Par contre, ce qui me dérange, tu vois, c'est justement qu'ils sont mal placés. Donc, les follow. Excusez-moi, j'arrive pour remettre les follow parce que ça me frustre de voir les follow mal placés. Je ne supporte pas ça du tout. Je remets la musique. Je ne supporte pas les follow mal placés. Voilà. On y va, c'est parti. Je recule. On fait la course. Street Cross, ah yeah, ouah, trop bon, on va brûler du bitume. Tu dis de participer à la course, décide-toi vite, on n'a pas toute la nuit. D'accord, et eh ben j'accepte bien sûr. Voilà, tu me donnes ta voiture. Ça va pas être possible, pas du tout. J'ai pas été voir car je ne voulais pas rater une seconde de live. Tu sais quoi, qu'à 85 je te dis bravo, parce que tu m'as donné la meilleure réponse que tu aurais pu me donner. La meilleure réponse possible. Voilà, parce qu'honnêtement, honnêtement tu m'as mouché. Voilà, tu m'as eu. c'est bien sorti, j'avoue. C'est bien sorti, j'aurais répondu pareil, je pense. Je pense que j'aurais sorti une connerie comme ça. Mais tu as bien fait, t'as bien fait. C'était une bonne sortie. Bien joué. Bravo, bravo. Alors là, par contre, attention, vu qu'on n'a pas la nitro, on va devoir se méfier. Parce que la street cross, c'est pas toujours évident. La Audi, faut pas la laisser partir. Si on laisse partir la Audi, c'est mal barré. Il y a 4 tours. On vient entamer le deuxième. Le street cross qui demande des trajectoires assez précises. Avec pas trop de perte de vitesse. Bah style lui il fait de la merde. Et moi aussi. Putain. Non. 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 Oh l'enfoiré. Landai. J'aime pas Landai. J'aimerais bien en avoir une mine de rien. Y'a pas d'aspiration non plus dans ce type d'épreuve. Pas d'aspiration j'ai l'impression. Allez allez, accélère. Attention. Oui je l'ai poussé un petit peu mais il me repasse devant. Troisième tour, on entame le troisième. Il fait de la merde lui aussi, c'est incroyable. Putain, il fait tous de la merde. On fait. Non mais putain c'est toi la merde. Merde. J'y crois pas, quel enfoiré. Du coup l'outil est tranquille maintenant. Ah bah bref, bien joué. C'est Michael qui reprend tranquillement la route de la victoire. Mais c'est incroyable, quel enfoiré qui nous a bloqué. Du coup maintenant on a 2 secondes de retard sur celui d'avant. Mais c'est nul. J'ai l'impression qu'il a fait une connerie. Vas-y, oulala. C'est quoi ce délire? Oh putain, je crois qu'on est mort, hein. Je vous le dis, on entame le dernier tour. On a quand même presque 2 secondes de retard sur le premier. Il faut compter sur une faiblesse de sa part, une faiblesse au niveau de la vitesse, au niveau de la prise de virage, au niveau de
de tout ce que vous voulez pour pouvoir repasser premier. Je pense qu'on peut recommencer la course. Personnellement, je pense qu'on peut recommencer la course tranquillement parce que là, on est mal. On est mort, je pense. Ok, oui. Il maintient en plus son avance. On est foutu. Terminé. Il a terminé. Ok, on commence. Dégoûté. Et non, Popik, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner. Vu comme il m'a bloqué, l'autre, je ne peux pas gagner. La Street Cross, c'est vraiment le type de course où il faut partir premier et il faut maintenir sa première place. C'est vraiment cette course-là. Et le problème, c'est que l'IA du jeu a tendance à faire, c'est ce que je vous disais, comme dans GTA V au final. C'est vraiment essayer de te faire partir, vous savez, de te prendre par le côté et de te faire tourner le kiki, voilà, en arrière, vous avez compris. Donc du coup, après, tu te retournes complètement retourné en tête à queue. Et tu as les bouboules. Alors entre Kiki et les têtes à queue, ça y est, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose de sombre là. Allez, bon live les gars. On y va. Hop. Ah mais c'est l'autre qui m'avait poussé, qui m'a empêché de gagner. Du coup maintenant on est obligé d'en chier sur son nouvel essai. Ah, bah, je suis toujours obligé de toucher hein. C'est vraiment limite, notre puissance ne suffit pas à rester tranquillement en tête. Regardez, il y a toujours quelqu'un qui nous suit de très près. Voilà, il faut prendre de l'avance ici. On sait qu'on est un peu plus rapide que les autres. Mais là, par contre, voilà. Directement après, dans le virage d'après, on fait une bêtise. C'est pas bien, ça. Allez, troisième tour. On y croit, on y croit. On maintient notre première place. Il est juste derrière. Il va pas nous lâcher jusqu'au bout. On le sait. On le sait qu'il ne nous lâchera pas jusqu'au bout. Ce monsieur, important, ne pas toucher. Voilà, par exemple. Ne pas faire ça. Voilà, c'est ce que je disais. Et c'est ce que j'ai fait. Magnifique. Voilà, bien passé, là, bien rattrapé. On longe les bords. Pareil ici. Non, 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 j'ai dit longer les bords, j'ai pas dit les toucher. J'ai dit longer. Eh, mais non, j'ai l'impression que je l'ai mis 2 secondes. Je l'ai mis 2 secondes. On entame le dernier tour, avec 2 secondes d'avance. Tout va bien, on peut le faire. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On maintient les 2 secondes d'avance. On était presque arrivé à 3 secondes d'avance. Franchement, c'est du tout bon là, c'est du tout bon. On gère la fougère. Tout va bien, on réaccélère. Petite montée, petit col. Comme col de l'utérus, oui. Hop, allez, attention, le virage. Dérapage magnifique. Et là, enfin, l'arrivée. On y est. Wouhou. Et une Street Cross dans la poche. Voilà, ça c'est fait. Oh, quel plaisir. Et donc, voilà, nouvelle épreuve terminée. Ça, c'est bien. Oh, oui. Mamadou. De quoi? Mamadou. Tourner le kiki. Façon de parler, bien sûr. Bob le bricoleur, tu peux te faire. Bob le bricoleur, tu peux le faire. Bob le bricoleur, pourquoi tu m'appelles Bob le bricoleur? Je ne sais pas. Bref, alors écoutez, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va partir en pause. Maintenant, vu que ça fait 49 minutes de live. En général, c'est toutes les 40 minutes, 40, 45 minutes. Donc, mesdames, messieurs, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode sur Need for Speed Underground 2, à ceux qui suivent évidemment sur YouTube. Je vous dis portez-vous bien, on se retrouvera pour le prochain épisode. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde.